Salut Sophie, Salut tu Lionel, vas bien? ça va et toi? Super, merci. Je suis ravi de présenter avec toi cette Séverin aujourd'hui, la Picola, voilà, qui est une Oui. petite machine automatique, Ouais, ultra compact. ultra compacte, qui sait faire beaucoup de choses. Juste avant de commencer, on va dire deux mots de la marque Séverin, une marque allemande de petits électroménagers, qui est plutôt spécialisée normalement dans l'entrée de gamme, mais qui, avec l'univers machine à café, a réussi à sortir des machines qui étaient très intéressantes et qui donc ont leur place chez Maxi Coffee. Exactement. Voilà. Allez, je te laisse nous faire cette présentation de la machine. Ok, je vais te donner les grandes caractéristiques Oui. déjà. Donc, bac à eau, 1,35 L. D'accord. Bac à grains, 140 grammes. 140 grammes, d'accord. Donc, tu vois, on a un moulin, 5 positions sur le moulin. Moulin céramique. Ça, c'est bien. Ouais, Pourquoi c'est donc, bien, justement, le moulin céramique? alors c'est bien parce que ça ne chauffe pas ton grain. Et ensuite, c'est une très bonne qualité de moulin, D'accord. très compact et très rigide. D'accord. Résistant, donc du coup, qui s'use moins que l'acier, Ouais, hein, tout tout à simplement. fait. Alors ça s'use moins que l'acier, la céramique, mais par contre, l'inconvénient de la céramique, c'est que si jamais il y a un corps étranger, type un caillou, un morceau de métal qui va passer, ça Ça casse, casse, hein, oui. la céramique, alors que l'acier ne casse pas. Mais bon, on ne peut pas avoir tous les avantages non plus. La céramique, c'est très bien. Ouais. Donc juste à côté, trappe à moulu, Oui. voilà, pour le petit déca du soir, par Par exemple. exemple. Je passe tout devant, si tu veux, Oui. avec le bac à marre, 10 galettes, Galette. voilà. Et Alors, puis... tout ça, c'est en cohérence totale Ouais. avec le gabarit de la machine. Ouais, parce que comme tu peux le voir, c'est une machine très compacte, Oui. très peu large, elle ne fait que 20 cm de large. C'est ça. Et c'est vrai que pour ce genre de machine, en général, on a une longueur beaucoup plus importante. Et là, elle reste quand même très Elle est compacte. assez ramassée, on va dire. Ouais, Voilà. tout à fait. Très bien. Alors, Si tu maintenant, veux, les boissons. ouais, je vais te montrer un peu les boissons. Donc, Oui, c'est s'il te une plaît. one touch, donc elle te fait délater. D'accord. Donc, Alors, du lait déjà, voilà, portion du de lait si lait. on veut. Donc, Bien sûr, espresso, espresso. café, cappuccino, latte macchiato, café au lait. Et donc, elle peut te chauffer ton lait aussi. D'accord. Voilà. Ça Et fait beaucoup de tu. choses hein, pour Ça une machine fait. aussi compacte. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Et Et comment ça se ensuite, paramètre? voilà. Alors, en fait, tu vois, ici, tu peux choisir l'intensité de ton café, l'intensité, la quantité d'eau que tu vas mettre dans ta boisson. Oui. Et ici, la quantité de lait sur les boissons lactées. D'accord. Et si on va sur Expresso, par exemple? Et alors, si on va sur Expresso, donc tu vois, évidemment, tu n'as pas de choix de lait, mais par contre, tu peux choisir l'intensité de ton café. Alors là, c'est là où on choisit Trappe à moulu, d'ailleurs. Ouais, et donc, Donc, un grain, c'est plutôt léger, deux grains, c'est plutôt, enfin, c'est intermédiaire, et trois grains, c'est corsé. voilà, On exactement. joue sur la quantité de café. Voilà, et là, tu peux jouer sur la quantité d'eau. D'accord. Donc là, c'est pré-paramétré, on Alors, dirait, c'est la quantité d'eau. pré-paramétré et si tu veux, donc tu peux choisir, donc lorsque tu as ce pitot, c'est que tu as choisi, en fait, tu as pré-programmé les critères que tu veux pour ton expresso. Allez, vas-y, Donc, montre-moi justement par ça. exemple, hop, on va rentrer dans le menu. Donc, le menu est très complet. Ah Tu oui, as c'est une clair. partie entretien, une partie boisson et ensuite une menu appareil. D'accord. Donc là, on va rentrer dans le menu boisson et Donc du coup, on expresso. peut paramétrer l'expresso qui est Qui est en tout haut. en haut. Voilà. Voilà. Donc voilà, tu vois, tu peux choisir ta quantité de café, la force de celui-ci et la température. D'accord. D'accord. OK. Donc Et moi j'ai déjà paramétré le mien. donc par exemple, vas-y, rentre dans les Donc par menus. exemple, force du café, j'ai mis très fort. D'accord. Parce que je sais que tu l'aimes très fort. C'est ça. Quantité de café, je n'ai mis que Alors, 30 quantité, ml. c'est en fait c'est la quantité d'eau. Voilà. Et force du café, c'est la quantité de mouture. Exactement. Donc c'est D'accord. la quantité que tu entasses. D'accord. Voilà, donc hop, 30 minutes, OK. tu valides. Et la Allez. température, donc je l'ai mis très basse. D'accord. Voilà, On va pour que juste ce faire un soit. petit tour sur un latte macchiato. Ouais. On fera tout à l'heure aussi, comme ça. Je ressors. Voilà, c'est la petite croix. Voilà. Alors, latte macchiato. Voilà. Donc, toujours ces paramètres à régler. Ouais. Et puis, par exemple, là, on peut choisir Là. en plus la température du café et aussi la durée de pause. D'accord. Et la Entre. quantité de lait, bien sûr. Voilà, bien sûr. Et la Donc. durée de pause est très importante aussi, puisque ça nous permet de bien redessiner les étages. Exactement. OK. Donc, je pense qu'on a fait le tour un Ouais. peu de ce menu qui est très complet. Et si tu veux, je vais te proposer, on peut se faire un petit expresso. S'il te plaît. Donc, Donc du coup, j'imagine. l'expresso que tu as paramétré, ce serait Ouais, bien. Hein? exactement. Il est Donc. là. Donc, je vais nous prendre une petite tasse. D'accord. Alors Voilà. du La coup, buse est réglable. d'accord, en hauteur.
Vas-y. Et puis, je lance la machine. Allez, c'est parti. Donc, tu vois, tu as la barre de progression qui s'affiche et qui te dit où tu en es dans la création de ta boisson. Tout à fait. Alors, c'est une machine qui est assez bruyante quand même. Elle ne fait pas partie des moins bruyantes. Ouais. Elle est assez bruyante, mais finalement, ça reste acceptable par rapport au rapport qualité-prix de la machine. Ouais, ouais, ouais. Puisqu'ici, on est sur une machine qui sait faire énormément de choses et qui est franchement pas cher pour ce qu'elle sait faire. Exactement, c'est pareil. Il manque 2-3 options, mais qui finalement sont pas indispensables. Tu vois, tu n'as pas de chauffe-tasse. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, c'est plus sympa d'avoir une tasse un peu plus chaude pour garder ta boisson à bonne température. Voilà, c'est des détails qui manquent, mais qui sont compensés par tout le reste. C'est vrai. Il y a un autre détail aussi, on le voit d'ailleurs là tout de suite. On ne peut faire qu'un café à la et fois. Oui, tout à fait. On ne peut pas faire 2 cafés à la fois. Ouais. Alors, ce qui n'est pas très grave, mais c'est juste qu'il faut, pour faire 2 cafés, c'est 2 fois plus long qu'une machine qui est faite exactement. Deux par deux. Ouais. Tiens, hop, alors, tiens, si tu veux, je ne sais pas si tu vois, hop, c'est joli, hein, c'est une belle qualité. Ouais, ouais. Tu laisses faire le tien, fais-toi un café quand même. Car, regarde, Anthony, pendant l'instant, tu vas pouvoir faire un petit zoom là-dessus, parce que franchement, c'est très beau, ça sent très bon. On a un bon centimètre de crème. Ça sent bon. Hein. Ça sent très bon. Et je goûte. Tu laisserais boire ton café après. C'est gentil. Alors écoute, c'est bon. Déjà, c'est bien. Ouais. C'est moi, j'étais agréablement surprise. Ouais, franchement, c'est un tout petit peu chaud pour moi. Ouais. Pas beaucoup trop chaud, mais un tout petit peu chaud. On est en température très basse, c'est-à-dire qu'on peut plus descendre. Ouais. Mais par contre, c'est pas bouillant non plus. Hein. Non, mais je pense qu'ils ont essayé de compenser justement. Ce problème d'absence de chauffe-tasse c'est vrai. Par la c'est température. Possible. C'est possible. Franchement, c'est bon, on a quand même beaucoup de corps, la texture est agréable. Mm. Non, c'est bien, c'est très bien. Ouais, mettez un petit message en plus sympa, ça ouvrait votre boisson. Merci. Elle te parle en fait. Elle est sympa quand même. Hein. Elle te parle. Moi, je ne les trouve pas si chauds que ça, tu vois. C'est vrai. Ouais, ouais. J'arrive à le boire sans souci, sans brûler. Ouais. On a tous une tolérance à la chaleur qui est différente. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je voulais te faire un petit zoom sur les lattés. S'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, mais s'il te plaît, ça me ferait très plaisir. Donc, en fait. Alors, la machine est livrée. Celle-ci est livrée avec un pot inox. Ce n'est pas le cas de toutes. C'est ça. Et alors, moi, je l'ai déjà rempli de lait, évidemment. Oui. Et alors, c'est vraiment la fonction One Touch simplissime. C'est gentil. Ça. Allez. Donc, tu plugues ton pichet sur la buse. Oui. Et voilà, et j'ai tout. Envie de dire. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est compliqué. Tu vois d'accord. Donc c'est vraiment. Alors par contre, moi j'ai juste une petite astuce. Oui. Donc on va mettre. Je prends un verre. Parce que j'aime bien nettoyer un petit peu mon système lait avant pour être sûr de gagner en mousse. D'accord. Surtout sur la Séverin, là, on avait rencontré quelques petits soucis au début et puis qui ont été vite réglés. D'accord. Pour le coup. Donc, hop. Voilà. Alors le souci justement, c'était quoi? Alors, c'est que j'arrivais pas au début à faire une jolie mousse. D'accord. En fait, avec la Séverin, j'étais très embêtée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait uniquement passer un peu de vapeur dans les tuyaux. Et puis tout ça. Et après, ça fonctionnait. Voilà, il n'y avait aucun souci par la suite. Alors, du coup, donc, tu vas partir dedans. Je vais partir sur le menu entretien plutôt. Voilà, entretien, rincer l'unité, nettoyer et rinçage. Voilà, rinçage du système LED. Donc, d'accord. Un grand rinçage. Ok. Voilà, donc alors ce qui est super, c'est qu'en fait elle t'explique point par point ce qu'il faut faire. D'accord. Donc voilà, elle t'explique de mettre ton tuyau dans l'eau et ensuite de mettre un récipient sous le collecteur. Voilà. Voilà. Et ça commence. Ça se fait tout seul. Donc là, alors, tout simplement, ça aspire de l'eau, hein, c'est tout. Ouais, ouais. Voilà, simplement. Et alors moi, tu vois, je vais faire monter un peu en pression. Je vais te montrer en appuyant sur le tuyau. D'accord. Donc là, ça monte en température pour l'instant. Ouais. Oui, parce qu'il faut que ça crée de la vapeur, donc il faut que la température soit très élevée. D'accord. Voilà. Donc tu vois, je vais faire monter un peu pour bien dégager le tuyau. Ah, ok, juste en fait appuyer sur le. Sur le tuyau, voilà, c'est ça. D'accord. Je fais des petites pressions sur le tuyau pendant le rinçage du système lait. Et c'est tout. Et voilà. Donc tu vois, c'est. Oui, c'est rapide. Très simple donc, ce que et très rapide. Tu préconises de le faire à chaque fois qu'on veut faire un, ouais, un cappuccino ou un latte macchiato. Voilà, si on a 5 minutes, enfin ça prend 3 minutes d'ailleurs. Même pas, voilà. Ouais.
Tu fais ça juste avant ça, et tu es sûr juste en fait, de gagner en mousse. Bah, d'accord, c'est juste pour être sûr d'avoir en fait le maximum de mousse en tasse. Exactement. D'accord, bon, ça vaut le coup, on le fait. Ouais. Allez, donc, allez, c'est parti. Donc voilà, latte macchiato, je vais rester sur les paramètres qui sont déjà réglés. D'accord. Avec beaucoup de café, beaucoup de lait et aussi une quantité importante sur ta boisson. Donc c'est parti. Donc c'est une one touch, tu vois. J'ai lancé la machine, il n'y a absolument rien à faire. D'accord. Voilà, tout va se faire. Tout sort par la même buse. Donc tu n'as pas besoin de déplacer ton verre d'une buse à l'autre. D'accord. C'est le grand avantage finalement de la one touch par rapport à tous les autres systèmes. Ouais. Soit les buse vapeur classiques, soit les cappuccinators. Oui, tout à fait. Donc tu vois, tu as encore ta barre de progression qui t'indique à peu près le temps qu'il te reste pour la création de ta boisson. D'accord. Ça a l'air de rien, mais les barres de progression, c'est quand même très pratique. Hein. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais sur certaines machines où on en est de la boisson, si ça va déborder, si ça ne va pas déborder. Là, en fait, la machine dit tout. Exactement. C'est plutôt bien. Ouais. Là, par exemple, elle dit qu'elle est en train de distribuer le lait. Donc, je ne sais pas si tu arrives à voir là déjà sur la mousse, mais c'est très intéressant. On voit qu'il y a quand même une belle quantité quand même. De mousse, hein, mais, tu vois, la mousse est là. On est à plus de la moitié du verre quand même. Hein. C'est beau. Hein. Mmh. Oh, c'est très beau. Alors sur le dessus, on a de la grosse bulle, hein, mais on sent que sur le dessous, ce n'est pas de la grosse bulle. Oui, ouais, on a testé la dernière fois. La mousse est fine et bien compacte. Et elle est très agréable. Donc voilà, là, on voit en fait qu'on passe sur le café, hein, sur le petit pic toqué là. Voilà. J'ai mis 15 secondes de pause entre la distribution du lait et la distribution du café. D'accord. Tu pouvais mettre plus ? Oui. D'accord. J'aurais pu mettre plus, effectivement. C'est très joli. Hein. La quantité de crème est quand même assez énorme. Ouais. On aurait presque pu rajouter un peu de sirop. C'est vrai. Pour avoir une vraie boisson gourmande. On peut, hop, si on veut monter. Superbe. Oh. Et voilà. C'est très très bon. Anthony, un petit zoom là-dessus parce que franchement, ça vaut le coup. C'est très joli. Tiens, allez. Goûte-moi ça. Goûter. Ça va être un peu chaud, quoi. Ça arrive, le café, tu vois, par rapport à ton goût, ça risque d'être un tout petit peu chaud au niveau du okay. café. Merci, Prime. Bon courage. Hein. Mmh. C'est encore un peu chaud. Je me suis pas roulé, mais c'est chaud. Ah bah tu vois. Ouais, tu m'avais prévenu. Mais je pense que... Oui, c'est très chaud. Ouais. En général, alors c'est pas plus mal que ça soit bouillant. Chaud, ouais. Franchement, parce que un latte macchiato, ça se boit pas comme un café. On met plus de temps à boire son latte macchiato en règle générale, on prend son temps. Mmh. Et donc, il vaut mieux quand même que ce soit un petit peu chaud pour pas que ça devienne vite froid. Voilà. Ouais. Le lait est franchement bon. On a un bon goût sucré de lait, donc ça veut dire qu'il n'a pas été brûlé. Oui, c'est bien. On a une texture qui est agréable, qui est onctueuse. Mmh. Et derrière, on sent bien le café. C'est un mocha, donc c'est un café nature derrière. On sent bien justement le côté racé et nature du café. Non, c'est franchement bluffant. Écoute, encore une fois, pour le rapport qualité-prix, enfin pour le prix de la machine, oui, on a quand même des boissons faciles à faire et bonnes, tout simplement. Alors là, la machine demande à rincer le système. Oui, c'est-à-dire que la machine va te proposer à chaque boisson lactée de nettoyer ton système lait, d'accord. Ou tout au moins de le rincer. Oui. Donc effectivement, soit tu le fais, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ou alors tu peux attendre tous les deux, trois boissons si tu les enchaînes en fait. D'accord. Voilà. Par contre, moi je conseille vraiment de nettoyer son circuit lait à chaque fois qu'on éteint sa machine, si on a fait des lattés. D'accord. Parce que c'est quand même, voilà, c'est du lait, quoi. Tout à fait. Donc là, c'est le même système que tu as fait tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire qu'on plonge la buse dans l'eau, on met un contenant, le système va se rincer. Sauf que là, on n'a pas besoin d'entrer dans le menu, on a juste à faire voilà, OK. Exactement. Tout. D'accord. Bon, je résume, à moins que tu aies autre chose à nous dire. Je ne crois pas. Non. Bon. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, je résume. Donc, c'est une machine super compacte qui permet de faire du café. De la plus belle des façons, et des boissons lactées plutôt réussies, tant en termes visuels que gustatives. Machine plutôt facile à utiliser, pas pour moi 100% intuitive parce qu'on a quand même pas mal de choses. Un petit peu en main, mais c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est pas la machine la plus intuitive qu'on connaisse. Un écran qui est très pratique, hein, qui permet de savoir où on en est quand même. Et des composants qui sont, on va dire, dont la quantité est en rapport avec la taille de la machine. Donc, rien à dire là-dessus. C'est un bon plan à ce prix-là. Exactement. Voilà.
Merci Enzo. De rien. À bientôt. À bientôt. Salut. Je pars avec le livre. Oui, bah, s'il te plaît. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.